Quelqu'un a une question à poser? Oui. La King James, la Bible de King James, oui, elle est pas mal. Ouais. En fait, la BGC, c'est comme la King James. Sauf que la différence, que nous avons instauré toutes les répétitions qu'il y a. Voilà. Par exemple, Dieu disait à Adam, tu mangeras par vos fruits, de l'arbre de vie. Tu mourras, c'est la question là que les gens ont joué, on les a instaurés. Voilà. Oui, frère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, ma question là, souvent, concernant le culministe en Côte d'Ivoire ici, la terre s'était balancée. Vraiment, on se demande comment est-ce qu'il faut faire pour poser certaines actions. Je m'excuse par exemple. Dans le temps passé, je me rappelle, on partait au CHU pour aller prier pour les malades. Donc au CHU, ici, c'est en France, le TH. THU. Maintenant, au plus, pour prier pour les malades, on passe. D'ailleurs, on fait comme si on partait, mais Dieu à toi, on partait pour prier. On partait pour tout ce qu'il y avait. Je disais, bon, le Seigneur faisait des choses par le travers. On est arrivé à ce moment, par rapport à certaines actions qui se mènent au niveau des ministres en Côte d'Ivoire ici, ils ont posé des fondements. Eux, par exemple, si tu dois aller prier pour les étudiants, des cas de membres, par exemple, des choses d'appartenance à l'Église, de l'Office, de l'Église, de l'Église, de l'Église. Maintenant, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on doit faire pour que la France doit faire une partie, par exemple? Parce que pour moi, peut-être à même point à lui, ça peut empêcher de poser certaines actions. Donc, pour prêcher, il faut qu'il capte ça. Bon, mais c'est-à-dire qu'il y a certaines actions, par exemple. C'est-à-dire que, toi, par exemple, à la télévision ivoirienne, pour aller pour assister pour prêcher l'Évangile, on te demander si tu appartiens à la congrégation de l'Église évangélique. Ok. Maintenant, il y a d'autres choses. Mais on n'est pas obligé de partir à la télévision pour annoncer l'Évangile. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Tout simplement. Voilà. On peut faire de porte à porte, on peut faire. Aller sur le terrain. Voilà. D'accord. Les actions, les autres actions qui sont un peu. Par exemple, les évangélisations à grand pour les évangélisations, pas de évangélisation, donc on fait peut-être dans une ville, on demande l'autorisation de la mairie, mais il y a des fois, on demande des choses. Ok, ben si la mairie ne nous autorise pas à organiser un temps programme, eh bien on fait des sous-programmes. En fait, il faut s'adapter quand il y a la persécution, comme dans les écritures, hein, à l'époque des premiers siècles, avec les Césars. Mais les chrétiens s'étaient organisés autrement, des maisons. Voilà. On priait même dans des catacombes, des galères souterraines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser autrement. Voilà. Oui. Ok. La messe pour les faire une œuvre, ouais, enfin. D'accord. Donc ça c'est complètement charnel. Et même ça, c'est carrément démoniaque. Hein. Quand une personne décède, la personne n'est plus là. Hein. Le corps qui est là, c'est de la poussière. Voilà, il ne faut pas faire toute une cérémonie autour de ça. Complètement démoniaque, c'est ça. C'est du culte aux morts. Hein. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Et ces gens qui vont toujours aller voilà, nettoyer leur tombe, tout ça, c'est complètement charnel. Voilà. La personne n'est plus là. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, faut, si on est chrétien, il faut passer outre. La personne meurt, on dit le Seigneur, c'est mal, c'est vrai. Mais si elle est chrétienne, elle est au ciel. Si elle n'est pas chrétienne, elle est en enfer. Voilà. On est attaché à la terre, on est attaché aux traditions, aux coutumes. Ben, être chrétien, c'est être détaché de tout ça. On va prendre un passage, on va prendre ça dans Ésaïe chapitre 8.
savez, Jésus est venu bousculer les paradigmes. Il est venu bousculer les traditions et les coutumes. Et c'est ça, Jésus. C'est le Jésus dont parle les Écritures n'a rien à voir avec le Seigneur, le Jésus dont on parle dans les assemblées aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées. Dans la culture humaine, il y a toujours eu le culte au mort, le fait de s'adresser au mort, le fait de rester trop attaché au mort, au passé. Et ça fait du bien à la chair. Le Seigneur dit non, il faut passer à autre chose. La personne est décédée, ça fait mal, et on rendra au Seigneur, on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut garder des photos comme souvenir? Oui, je pense pas que c'est un problème. Mais de là à aller les exposer ici et là, partout dans la maison, si on peut éviter ça, ça serait bien parce qu'à chaque fois les gens commencent à vouloir pleurer dessus. Faire attention. Voilà. Comment? Je dis, lorsqu'on est mort, ce sont les parents qui décident. Oui, mais vous n'avez pas non plus, vous avez une volonté, vous avez dit, vous avez préparé de vous soumettre à tous ces rituels. Être chrétien, c'est être capable de prendre position. C'est ça être chrétien. Vous voyez, et ça, les évangéliques, la plupart des chrétiens évangéliques ont du mal à prendre position. Et les musulmans qui prennent position. Vous avez des témoins qui doivent prendre position pour leur doctrine. Nous, on a du mal parce qu'il n'y a pas de... Car on a... Beaucoup ne sont pas fermes. Ils subissent. Les chrétiens subissent. Vous pouvez subir. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez remplacé la parole du Seigneur par votre tradition. Soit on est chrétien et on est contre les traditions d'hommes, soit on est chrétien selon les traditions, selon les hommes. Voilà. Vous savez, c'est humain. On a tendance à remplacer la parole par les traditions. Voilà. Et c'est beaucoup plus. Ouais. Alors, je voudrais savoir quand la parole meurt. Quelle attitude? Donc, il vient juste à peu près de répondre à 50% à la réponse. Quand sa parent meurt et qu'il est catholique, donc on ne rentre pas à l'église, on rentre au cimetière, il peut un peu donner la marche à suivre. On ne peut pas rentrer parce que nous sommes à l'église. J'ai voulu quand même t'amener à réagir. Voilà. Donc, en fait, je comprends. Le bâtiment catholique. Et non, parce que moi, je veux rentrer là-dedans, ça va m'irriter. Ça m'intéresse pas. Maintenant, si ma famille, si les membres de ma famille veulent y aller, c'est leur problème. Donc, moi, je leur dis, voilà, je suis croyant, je suis chrétien. Je ne rentre pas là-dedans. Voilà. Après, s'ils veulent, ils veulent dans leur tradition, leur coutume, là, c'est leur conviction. Moi, je ne suis pas dedans. Et le cimetière? Voilà. Le cimetière, aller accompagner, enterrer la personne, ce n'est pas un problème. Moi, mes parents sont décédés, comme vous le savez, ce que je dis, ce que je prêche. Mes parents sont décédés. Et
désenterrés, mes frères également, deux qui sont décédés l'année dernière, on a vu le cimetière. Arrête là. Je voulais savoir à ce moment-là, qu'en est-il du 40e jour, quand il était actuellement en Europe, à des Européens, des coutumes-là, mais en général, les Africains, après le décès d'une personne, dans le 40e jour, ça c'est ma première question. Sans savoir tout ça. D'accord. Sans savoir. Et ensuite, parce que voilà, nous dans la famille, on a perdu un être cher dernièrement, et maintenant, elle est en cimetière pratiquement tous les jours. Et puis elle dit que voilà, il faut qu'elle aille changer les fleurs, il faut qu'elle aille faire ci, qu'elle aille. Apporter aussi un t-shirt avec la personne, elle a donné un t-shirt. Ils ont fait des t-shirts. Elle va t'apporter ça. Il faut une petite délivrance. Ça, ça triste le Seigneur. C'est de l'idolâtrie après. Donc il faut dire à la famille de ne plus aller lui poser des fleurs. Mes parents sont décédés. Je suis allé enterrer mon père. Ma mère est décédée, je pleurais. Mais de là, je n'étais pas là, j'étais en mission. Je ne m'en dis pas à la mission. Laisse les enfants enterrer leur mort. Je ne suis pas le roi Faton. Elle est sauvée. Je ne veux pas voir. La tête, la poussière est là. C'est pas vrai. Toi, c'est parce que j'ai vu l'image de toi avec la tristesse du Seigneur. Beaucoup, malheureusement, les chrétiens n'aiment pas le Seigneur. On aime le Seigneur quand tout va bien. Mais face à l'épreuve, on n'est pas capable de dire non. Et c'est pour cela, aussi moi personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec les chrétiens. Voilà. Parce que on aime Jésus, on dit, Seigneur, nous t'aimons quand tout va bien. Seigneur, nous craignons tout ça quand tout va bien. Seigneur, nous. Et le Seigneur dit, mais quand vous êtes exposé à la tentation, exposé à la souffrance, comment vous réagissez? Quand vous êtes face à la pression, comment vous réagissez? On suit la masse. Pour éviter la persécution, ça s'appelle la compromission. La personne décède, vous portez un petit choc à son effigie. Vous lui rendez un culte. Un culte que vous voyez la personne. Et derrière, vous avez les démons de mort qui sont adorés. C'est à Paris, j'étais une formation publique il n'y a pas longtemps. Et sur l'adoration, le Seigneur m'a dit de l'enseigner sur l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas être adorateur si on n'a pas compris ce que c'est l'idolâtrie. Et le premier commandement que Dieu a donné. Exode 20, il dit, je suis Yahweh ton Dieu, regardez. Alors Yahweh prononça toutes ces paroles, disant, je suis Yahweh ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et ne le serviras point, car je suis Yahweh, ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et quand j'ai lu ce passage pendant la formation biblique, le Seigneur a commencé à m'enseigner en même temps. Il me dit, beaucoup de chrétiens, beaucoup de familles sont maudites, juste à cause de l'idolâtrie. Et il a bien dit que la malédiction liée à l'idolâtrie s'étend sur quatre générations. D'accord? Et la durée d'une vie selon la Bible est de combien? 70 ans et pour les plus robustes 80 ans. Donc on va faire 80 fois 4. Ça fait combien? 32. Donc une malédiction de 332 ans.
320, c'est ça. 320. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte? Donc, le parent qui est idolâtre, chrétien notamment, qui va porter un t-shirt avec l'effigie de la mort, qui va s'associer avec sa famille pour idolâtrer le mort, sans se rendre compte qu'il faut rendre à l'idolâtrie, ce parent-là, homme ou femme, ouvre la porte à la malédiction sur sa famille. Cette malédiction va rester sur la famille pendant 320 ans. Et c'est pour cela, Lamentations de Jérémie, chapitre 5, verset 7, Jérémie dit, nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Et quel était le péché le plus grave des Juifs? L'idolâtrie. Voyez? Et c'est terrible. On pose des actes, on ne se rend pas compte des conséquences sur nos vies et sur nos enfants. Et être idolâtre, c'est être, c'est avoir de la haine contre Dieu. Je dis, un idolâtre, c'est qui le hait. Et regardez bien, il dit, je suis Yahweh, votre Dieu. Et ici, Elohim, Dieu, Elohim. Et il continue. Au verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, toujours Elohim. Devant ma face. Donc Dieu lui-même nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Elohim. Il y a plusieurs Elohim. Mais la différence entre Elohim, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et les autres Elohim, c'est que notre Elohim, notre Dieu, donne son nom. Il dit qu'il s'appelle Yahweh. Donc, Dieu est conscient que les gens adorent plusieurs dieux, effectivement. Les démons se sont rébellés contre Dieu, notamment Satan, la serpent, c'était pourquoi? Parce qu'ils voulaient tous être Dieu. Et c'est pour cela qu'il a fait tomber nos premiers parents en leur faisant croire qu'ils allaient être Dieu. Et dit Dieu, il dit, il ne faut pas, n'est-ce pas, s'adresser aux morts. Et malheureusement, dans nos familles, parfois chrétiennes, il y a le culte aux morts. On rend un culte aux morts. On voit un culte aux morts. On ne veut pas passer à autre chose. On ne veut pas, n'est-ce pas, on reste là, on se morfond. Mais Paul dit quoi? Il dit, mais dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance aussi de ceux qui sont décédés. Je ne veux pas que vous soyez, comment dire, dans la détresse. Regardez. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, le fait de se morfondre, le fait de se dire 40 jours après on va se revoir pour encore aller chanter, pour encore aller pleurer, pour aller célébrer je ne sais pas quoi, manger, se morfondre, tout ça prouve que si vous êtes chrétien, vous n'avez aucune espérance. Ça veut dire que vous n'êtes pas des bons témoins de Jésus-Christ, capables de dire aux gens, arrêtons, nous avons de l'espérance, contrairement aux inconvertis qui, pour eux, la mort est un, n'est-ce pas, un saut vers l'inconnu, qui sont dans l'incertitude concernant la vie après la mort. Mais nous avons certitude, nous, notre foi chrétienne et l'évangile que nous prêchons,
sont basés sur la résurrection de Jésus-Christ sur le 1 Corinthiens 15. Donc, vous voyez, on lit la parole, on peut la prêcher, mais l'intégrer dans notre vie, la vivre dans le quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. On peut traduire. La police dit que moi je sors pas du à Nice. Ok. Quand je deviens dire que la malédiction, c'est par rapport au humain, dans la malédiction, j'ai un calcul que je fais, je multiplie par exemple 80 par 4. Ça fait 60. Oui, tout à fait. Et la malédiction, pour les personnes qui sont dans cette famille, est possible. Et dès que, donc là vous avez toutes ces familles, tous ces hommes et ces femmes qui sont soumis merci, à cette malédiction. Après la conversion, parce que le mot salut veut dire ça comme délivrance, on va dire Jacques, un des enfants de cette famille, se convertit. Automatiquement, Dieu le sort de là et l'amène au ciel. Il n'est plus soumis à la malédiction. Mais si Jacques perd un de ses parents ou un membre de sa famille et se met à idolâtrer le mort, ben, la malédiction, c'est comme une chaîne qui a été brisée, et ben là, on la ressoude. Voilà. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention. Oui. Alors moi aussi, je sors d'une famille animiste, et je bénis Dieu qui m'est sorti au nom de Jésus, mais maintenant je m'inquiète pour ma fille. Qui bénisse ceux qui le bénissent jusqu'à 1000 générations. Et moi qui suis justement sortie par la grâce du Seigneur, j'aimerais savoir si ma fille fait partie déjà des 1000 générations ou elle est toujours sous la malédiction. Elle est sous la malédiction parce qu'elle n'est pas convertie. Elle est majeure d'autant plus. Les enfants, jusqu'à un certain âge, ils sont, comme Paul dit, bien sûr, sanctifié. Mais arrivé à l'âge de raison, à l'âge où ils sont capables de prendre leurs propres décisions, surtout quand ils ont entendu la parole et qu'ils l'ont refusée, et bien là, ils sont la malédiction familiale continue à exercer son influence sur eux, bien sûr. Alors, et les 1000 seront peut-être. C'est qui les 1000 après? En fait, le Seigneur dit ceux qui lui obéissent, ceux qui sont. Dans l'obéissance, ben, sont bénis jusqu'à 1000 générations, en fait. Et c'est ceux qui sont au bénéfice de son alliance, qui lui obéissent, qui obéissent à sa parole. Tout simplement, c'est nous, c'est les chrétiens. À l'époque, bien sûr, c'est les Hébreux qui obéissent à sa parole. Oui, frère. Bonjour à tous. En fait, ma question se situe au niveau des malédictions tout à l'heure qu'on a parlé. Voilà. Je voulais comprendre, j'ai un verset dans Jérémie 31, verset 29 qui dit « En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils ont été agacés. » Au verset 30, il dit « Mais chacun mourra pour son iniquité, tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents seront agacées. » Donc, j'aimerais comprendre, tout à l'heure, vous avez dit que En ce jour-là, c'est écrit, non? Oui, en ces jours-là. Quel jour? Adonai. En ces jours-là. Bon, quand j'ai lu le chapitre, j'ai compris en fait. C'était en fait une prophétie, l'impression. Une prophétie. Quand tu entends des expressions en ce jour-là, en ce temps-là, en ce moment-là, il est question du temps messianique. Il est question du royaume millénaire sur terre. Ah, okay. Donc, où la malédiction sera complètement bannie, enlevée. D'accord. Voilà. Et quand Ézéchiel dit que le fils ne portera pas la peine du péché de son père, hein,
c'est pour toujours, il faut lire tout le chapitre. Le fils qui pratique la justice, qui ne commet pas les mêmes péchés que son père. Ça, d'accord? Voilà. En ce temps-là, en ce jour-là, c'est l'âge messianique. Merci, Pastora. Moi, je voulais revenir un peu sur l'idolâtrie dont nous sommes pour la plupart sortis. En fait, je voulais parler un peu de la mort. Il est dit dans les évangiles qu'à la résurrection de Jésus, il est apparu pendant 40 jours à ses disciples, à certaines personnes et tout ça. Mais aujourd'hui, dans nos familles ou dans nos villages, il est dit que souvent les gens racontent que bon, cette personne est décédée, on l'a perçue ici, on l'a perçue là. Je voulais savoir exactement qu'en est-il. Et si une personne décède, est-il permis à cette personne-là de réapparaître à des parents, à des frères ou même parfois même à des viseurs d'aventure? Qu'en est-il réellement? Ben, publiquement parlant, Dieu dit qu'il ne faut pas évoquer les morts. C'est écrit non. Donc, si Dieu interdit une pratique, c'est qu'elle est possible. Hein, il est possible aussi de faire parler les morts. Bien sûr, et il y a un passage dans les Écritures qui le dit, en Samuel 28. Alors les théologiens qui sont très très réfractaires aux choses spirituelles disent que non, ce n'était pas Samuel qui était remonté, c'était un démon. Non, c'était Samuel, c'est écrit Samuel, n'a pas écrit démon. Et Samuel a bien reconnu Saül, et Saül l'a reconnu aussi. Donc c'était bien bel et bien Samuel. Et c'est lui, celle qui l'a fait remonter, ce n'était pas non plus une chrétienne, c'était une sataniste. Et on dit bien que Samuel était remonté, parce qu'à l'époque, les croyants et les impies allaient au même endroit qui étaient séparés. Donc, c'est pas mieux de parler en même temps que je parle comme ça, ou de vouloir compléter, il faut plutôt écouter. Sheol, le Sheol, ou encore le Hadès, l'enfer, réservé aux croyants, appelé le sang d'Abraham, où les croyants étaient toujours en prison et ils attendaient la délivrance par la résurrection du même. Mashiach, ils étaient en prison comme les impies qui étaient ici. Mais les impies souffraient. Les impies étaient en souffrance. Et les croyants étaient là. C'est vrai que dans l'histoire du riche et du pauvre, Lazare a pu parler à Abraham. Parce que aussi Abraham était là, tous les croyants avant Christ étaient dans le sein d'Abraham. C'était une prison. Voilà. Et c'est pour cela dans Éphésiens 4, on nous dit que Christ, après sa mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, les plus basses, et il est remonté avec les captifs, donc les croyants qui attendaient leur délivrance. Maintenant, Samuel, quand on l'a fait remonter, on dit bien remonter, on n'a pas dit fait descendre, donc il était tous en bas. Samuel dira à Saül, qui était un impie, demain tes enfants et toi vous serez avec moi dans le Sheol. On voit bien que les impies et les croyants étaient au même endroit, sauf qu'il y avait un abîme qui séparait les deux, séparait ce endroit en deux. Oui, il y a la possibilité de faire s'adresser aux morts, d'où la médiocrité, l'interdiction de la médiocrité dans la parole. Parce que les morts, les incroyants, pas les croyants, pas les chrétiens, parce qu'ils sont à la gloire, leur esprit. Mais les païens, oui, ils sont en enfer. L'enfer est Hadès. Hadès est un démon à la base, qui est au service de Satan. Donc oui, les morts constituent les croyants, les incroyants, les païens constituent une autre armée de Satan, bien sûr. Ils souffrent, ils crient, ils sont enchaînés. C'est un enfer. Voilà. Donc certaines apparitions ne sont pas forcément les démons, c'est aussi les morts. Ils sont épuisés par l'ennemi, qui sont la souffrance de l'enfer, justement. C'est des esclaves. Quelqu'un veut lever la main avant? Oui. Merci. J'aimerais demander si on peut
aller au Bethléem et prendre les pervers. Et selon nous, est-ce que c'est bon de poser la photo de celui qui est décédé sur sa tombe? Oui, mais de toute façon, si vous êtes invité à une veillée mortuaire, pour, vous pouvez aller pour consoler la famille, mais ne prenez pas part à leurs œuvres des ténèbres. Hein. Vous y allez une fois pour encourager la famille, comme la parole dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais de là à participer à leur cérémonie mystique, non. Voilà. Et ça, quand ça commence à s'étendre sur plusieurs jours, là, vous faites attention. Là, ça devient un culte qu'on rend aux morts. C'est pas bon. Voilà. Comment ? Ça devient quoi ? Ah, je pense. Ça devient quoi ? Après, ça devient grave, quoi. C'est, après, c'est grave. C'est tombe sur une veillée mortuaire, plusieurs jours, sur. C'est pas bon. C'est morfond. Quand on est chrétien, là, déjà, c'est pas bon. Et on ouvre des portes là, au démon, bien sûr. On y va pour encourager la famille, pour. Ben, il ne faut pas, quand ça commence à durer des jours et des jours, ça devient autre chose. Voilà. Soit au Bénin, si je ne me trompe pas, quand une personne décède, on va attendre parfois des mois, non? Combien de mois? Combien de temps à peu près? En Tunisie, combien? 3 jours? D'accord? 40 jours après, on va. Ouais. Tout ça, là, ça devient. Tout ça, là, c'est. Tous ces rituels-là. Ça, c'est pas bon. C'est l'idolâtrie, c'est un culte aux morts. Voilà. Bien sûr. Et les gens se rechargent comme ça les démons des morts. Voilà. Donc, c'est pas bon. Oui. La photo sur la tombe. Bon. Ça sert à quoi? La personne n'est plus là.